mesdames. Ce mois-ci, nous laissons de côté le tricot du bikini en ficelle de coton et l'apprêt des plats réchauffés pour donner les secrets de la fabrication dans leur propre cuisine d'un objet à la fois pratique et décoratif, un homme. Il est toujours agréable d'en avoir un sous la main à la maison, l'air affairé sur la pelouse, posé sur une chaise ou dressé. Choisissez un revêtement assorti aux tentures. Lorsqu'il est trop usé, recouvrez-le ou utilisez-le comme cale-porte. Petit 1, la méthode traditionnelle. Prenez un peu de terre, donnez-lui la forme voulue, insufflez-lui le souffle de la vie par les narines. C'est une méthode simple mais efficace. Rappelez-vous que si l'homme est fait de terre, la femme provient d'une côte. Ne l'oubliez pas lors de votre prochain barbecue à la mode texane. Devriez-vous ou non doter votre homme d'un nombril? Les experts de la méthode traditionnelle sont contre. Pour notre part, nous aimons lui en fabriquer un, car nous trouvons que cela ajoute une note finale. Utilisez votre pouce. La méthode de l'habit. L'habit fait le moine. Combien de fois avez-vous entendu cela? Néanmoins, si l'habit fait l'homme, ce sont les femmes, la plupart du temps, qui fabriquent l'habit. Utilisez un bon patron et découpez soigneusement en suivant les lignes. Autrement, votre homme risque d'être en dents de scie. Cousez les pinces en premier. Et n'oubliez pas de faire un repli à ce petit ventre. Sinon, vous le regretteriez plus tard. Et attention aux fermetures à glissière. Une fermeture mal placée peut causer de sérieux problèmes fonctionnels. La méthode du pain d'épices. N'importe quelle bonne recette de gâteau roulé fera l'affaire. Mais ajoutez un peu plus de gingembre si vous désirez obtenir un résultat plus corsé. Attachez-lui un fil à la pâte avant de le mettre au four. Cela pourra vous être utile. Mais hélas, selon notre expérience, pas pour longtemps. Par ailleurs, cette méthode offre certains avantages. Ces gars sont délicieux à croquer. Mmh.